Salut, on se retrouve pour le mode héroïque de la deuxième aile de Mont-Roche Noir. Avec le premier boss qui s'appelle Gar et dont le pouvoir héroïque est pour un point de mana infliger un point de dégâts à tous les serviteurs. Donc si vous avez fait le mode normal, vous vous rappelez qu'au début il a 5 ou 6 serviteurs qui ont 0 d'attaque et 5 points de vie, dont la râle d'agonie est d'infliger 3 points de dégâts à votre héros. Sauf si plusieurs de ses serviteurs meurent en même temps, dans ce cas-là, les points sont doublés. Enfin, ils sont pas doublés, ils sont multipliés par le nombre de serviteurs qui sont morts. Donc c'est important d'éviter que 3 ou 4 meurent en même temps, sinon c'est quasiment fini pour vous. Donc pour affronter ce héros, on prend le prêtre. Alors c'est presque le même deck qu'en mode normal, sauf que cette fois j'ai retiré les silences et j'ai rajouté deux cercles de soins. J'ai viré Mind Vision puisque c'est globalement inutile je trouve. Et j'ai ajouté le maître lame blessé. Voilà, qui coûte pas cher, qui a un gros pouvoir d'attaque et qui peut être soigné avec en même temps que le cercle de soins ou avec la clérique. Donc voilà, c'est parti. Mode héroïque, gare. Anduin versus The light shall bring victory. Bon, la main de départ est pas excellente. Mind those little rock things, won't you? See that you don't explode. You still have an elemental lord to banish. Let's get physical! Is someone injured? Là j'en ai soigné 3 à la fois, du coup ma main est pleine, mais c'est pas très grave, j'ai quand même
un Light Warden qui a 15 points d'attaque, donc c'est quand même plutôt pas mal. Let's get physical. Open the face the light. Stand ready. Face the light. Let me change your mind. My fate is sealed. You should take a piece of Gar with you and skip it across Ragnaros' lava pool. You'd like that. Donc voilà, c'était le premier boss en mode héroïque de la deuxième aile, cœur du magma. Donc un deck prêtre, ça marche vraiment très bien. Alors les cartes importantes, bah, là on a vu que c'était vraiment Light of the Narrow. J'ai pu avoir un Light Warden avec une attaque exceptionnelle en combinant avec Cercle de Soins. Le clearing pour piocher bien plein de cartes, ça a été pas mal. Bon, cette fois-ci on n'a pas eu besoin du Guru Bashi, mais ça m'a beaucoup servi la première fois que j'ai battu ce boss là. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour le deuxième héros qui cette fois est Baron Geddon.
Baron dans le pouvoir héroïque est d'infliger 10 points de dégâts si vous n'avez pas utilisé tous vos Crimson Mana lors du précédent tour. Voilà, ben on se retrouve pour ce deuxième boss dans une deuxième vidéo. A tout de suite.